s'appelle Elliot. J'ai pas encore trouvé mon histoire. T'as pas encore trouvé ton histoire, mais c'est pas grave, tu peux prendre l'histoire des amoureux, tu peux prendre l'histoire du truc chinois, ou tu peux dire je vais vous faire simplement un tour avec un élastique et deux trombones. Vas-y, mesdames et messieurs, Elliot. En fait, il y a un élastique, oui, et deux trombones, et ils vont s'accrocher tous ensemble. Ça, d'abord, je plie ton billet, j'attache un trombone. Ouais. Je vais mettre l'élastique là, ouais, pour tenir. Et je vais refermer le trombone. Le trombone, oui. Et après, pour les relier, mais il faut juste... Voilà, et là, tu montres bien à tout le monde. Et voilà, voilà. Bah, bravo, Elliot. C'est très bien. Alors, vous avez vu une chose, déjà? Bah, il le fait. Bon, il n'a pas l'histoire, effectivement. Alors, c'est un peu... C'est un peu, pas plat, mais c'est un peu, on se dit, bon, d'accord, ça marche. Mais vous savez qu'avec l'histoire, ça peut être un petit peu mieux. Il y a une autre chose qui est importante, c'est que quand on fait le tour, donc on place, et une fois qu'on est en position, c'est-à-dire on a mis le premier, et ça c'est valable pour n'importe quel tour, on a mis l'élastique, et on met le dernier trombone, j'en ai plus. Il est où? Je sais pas, hein. Je vais essayer qu'un petit, on va voir. Ça va peut-être marcher avec un petit et un grand. Ce qui est toujours bien, c'est avant de faire le tour, de remontrer une dernière fois. Avant, pour dire, vous voyez, on a enfermé un trombone, l'élastique, le deuxième trombone, je ne fais rien, et maintenant si on souffle. Alors le souffle magique, c'est quoi le souffle magique? C'est ce qui rend la chose un peu plus magique. C'est comme le sel sur un beefsteak ou sur des frites. Faut pas en mettre beaucoup. Pas bon pour l'organisme, mais un tout petit peu, ça pepse. Hein? Donc on fait le souffle magique, on souffle, ou on fait le claquement de doigts magique, ou le coup de baguette magique, mais on fait le moment, ce qui va créer le moment magique. Peut-être que tout le monde doit faire ouah en même temps. On va essayer. À trois, on y va tous ensemble, vous allez me faire ouah. Un, deux, trois, ouah! Et là, automatiquement, c'est le moment magique. Car non seulement le billet est déchiré, mais regardez, tout est parfait. Là, on arrive à la quatrième leçon. Et quand on est un magicien, rien ne doit pouvoir se passer mal. Même si vous déchirez le billet, c'était pas prévu, mais c'est pas grave. Et vous dites, le tour, il n'était pas de déchirer ou pas, c'est de faire passer ça, et là, vous avez réussi. Donc, il faut toujours vous en sortir. Jamais s'avouer vaincu. C'est un peu comme dans la vie. D'accord ?